Yo tout le monde, c'est DBZ, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien les amis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre ou même dans la miniature les amis, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, un peu spéciale, voilà. Une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, je voulais vraiment le faire. Car tout simplement, il s'agit d'une vidéo de remerciement pour les 1 an de ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça fait 1 an que je fais des vidéos sur YouTube. Il faut savoir que mon compte n'a pas été créé il y a 1 an, bien entendu, hein. Je suis sur YouTube depuis bien longtemps. Je regardais des vidéos bien longtemps avant. Mais voilà, ça fait maintenant un an que je me suis lancé dans cette fameuse aventure et je ne regrette pas du tout. Et voilà, donc une vidéo de remerciement. Et en plus de ça, c'est vraiment énorme les amis. On est bientôt aux 2000 abonnés, voilà. Ça fait à peine 1 an que ma chaîne a été créée et vous êtes déjà presque 2000 personnes à me suivre. C'est vraiment exceptionnel, j'en ai vraiment pas les mots les amis. Vraiment, voilà une vidéo où je voulais vous remercier pour tout ce que vous pouvez m'apporter, voilà, sur YouTube. C'est vraiment extraordinaire de voir quand même déjà 2000 personnes, presque 2000 personnes qui me suivent. J'en reviens toujours pas parce que je me suis dit, si on m'aurait dit en 1 an tu penses avoir combien d'abonnés, je sais même pas si, franchement je vais pas vous mentir, je sais même pas si j'aurais eu les 100 quoi. Sérieusement, c'est vraiment un truc de malade ce qui se passe et je sais pas comment ça se fait. Me demandez pas comment, il y en a qui me disent, hey, gros comment tu fais, t'as un secret? Non non les gars, j'ai pas de secret, j'ai pas de mystère, j'en sais rien. Franchement les gens ils s'abonnent et c'est vraiment, c'est que du bonheur en fait. Ça me fait vraiment plaisir de voir les gens qui s'abonnent comme ça à ma chaîne, c'est un pur kiff quoi. Et voir de la communauté que j'ai, franchement c'est ça aussi, je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai vraiment une communauté en or pour le moment. J'espère que ça restera tout le temps comme ça. C'est vraiment exceptionnel parce que je vois qu'il y a des chaînes YouTube, franchement, ils ont des abonnés ou des sortes de, comme ça, comme les gens les appellent, des haters. Voilà, c'est, j'en ai pas beaucoup, en tout cas je croise les doigts pour que ça reste longtemps comme ça. Je vais pas les demander, bien sûr, qu'on reste tranquille là-dessus. Voilà, j'ai une bonne communauté, vraiment, ça me fait extrêmement plaisir les amis. C'est vraiment exceptionnel, franchement, je vais peut-être me répéter, mais c'est quelque chose de fou ce qui se passe. 2000 abonnés en à peine 1 an, c'est incroyable. Bon après c'est vrai que là au moment où je fais la vidéo, ça fait déjà un tout petit peu plus d'un an, hein, quelques jours après. C'est juste que voilà, j'ai pas eu trop le temps avec tout ce qui était trailer de DBX qui est sorti à la dernière minute, etc. Au moment où je m'apprêtais tout simplement à faire cette vidéo. Mais bon c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais les amis. Donc pour ceux qui veulent savoir, je me suis lancé dans l'aventure le 31 juillet 2015. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà maintenant, l'heure d'aujourd'hui où je fais cette vidéo, nous sommes le 4 août. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, hein, les petits curieux tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel les amis. Et pour fêter ça, voilà, j'ai pensé tout simplement à faire déjà une vidéo un peu spéciale comme j'ai dit. Juste un petit, voilà, un petit message de remerciement. Et en plus de ça, j'ai voulu aussi un peu récompenser ceux qui me suivaient la plupart du temps en live. Pour ceux qui étaient restés à la fin de mon live, je leur ai demandé s'ils n'avaient pas 2-3 petites questions, voilà. On va faire une sorte de mini FAQ, hein, mais je pense pas afficher les questions à l'écran de toute manière. Mais voilà, une sorte de mini FAQ avec quelques questions qui peuvent voilà, combler un peu ce que les gens me demandent la plupart du temps. Voilà, j'ai pris les questions les plus importantes de toute manière. Donc sans plus attendre, on est parti les amis. Donc là les amis, on est parti avec la première question. Est-ce que je ferai du Dokkan Battle? Donc franchement les amis, sans vous mentir, j'aimerais vraiment faire du Dokkan Battle. En plus ça c'est une question qui m'a été demandée vraiment pas mal de fois. Et en fait le truc c'est que sur mon téléphone, et eh ben en fait mon téléphone n'est pas assez puissant. C'est un, enfin voilà, mon téléphone c'est pas le top du top on va dire. Faut vraiment que je pense à en avoir un autre. Mais bon voilà, pour le moment je pense plus à acheter d'autres choses pour le montage matériel, etc. Pour la chaîne que à notre téléphone bien sûr. Parce que pour l'instant tant que je peux envoyer des messages, etc., c'est le principal bien entendu. Mais le truc c'est que en fait on m'a dit qu'il y avait une application AZ Recorder, pardon. Et en fait justement comme il n'est pas assez puissant mon téléphone, et ben je ne peux pas récupérer le gameplay de Dokkan Battle. Donc ensuite on m'a dit aussi qu'on pouvait l'obtenir sur BlueStack ou même Android 4X. Et en fait malheureusement c'est que BlueStack marche parfaitement pour tous les jeux et comme par hasard il ne fonctionne pas bien pour Dokkan Battle. Je ne sais pas pourquoi. Alors là je vais voir, je vais essayer de voir comment je pourrais faire pour l'avoir quand même.
je ne sais pas, de toute façon je vous tiens au courant. Et c'est pareil pour Android 4X, quand je vais vous le télécharger, j'ai un bug, 99% du téléchargement, et ensuite il veut pas s'installer. Donc bon, je sais pas comment ça se fait, j'ai pas de chance tout simplement, malheureusement, hein. Bon, alors, on peut rien y faire. Donc enchaîne les amis, on enchaîne avec une autre question. Donc est-ce que je m'attendais à autant d'abonnés en un an? Vraiment pas du tout les amis. J'ai dû déjà vous répondre à cette question là juste au début de la vidéo en vous disant que je m'attendais vraiment pas à ce qu'on soit autant au bout déjà de un an. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et je sais pas vraiment comment vous remercier. C'est vraiment un truc de fou ce qui se passe. Et vraiment les amis, encore une fois, mille merci, c'est incroyable. Et mille merci, c'est même pas assez limite. Ensuite les amis, on enchaîne avec une autre question qui m'a été vraiment posée pas mal de fois. Est-ce que je ferai d'autres tournois sur Dragon Ball Xenoverse? Donc les amis, oui, j'en referai pour ceux qui veulent savoir sur Dragon Ball Xenoverse 2 déjà premièrement. Après sur Xenoverse premier du nom, pourquoi pas, pour revenir du côté nostalgique un petit peu de temps en temps. Ça serait assez stylé et rigolo à la fois, hein, vraiment, de revenir du côté nostalgique, ça ferait toujours du bien. Le prochain je compte le faire sur Xenoverse 2. Après vous allez me dire pourquoi DBZ tu prends autant de temps à faire ça. Parce que les amis, voilà, il faut savoir déjà que ça prend du temps. Déjà à la base pour le premier je n'étais pas tout seul, ça avait pris quand même assez de temps on va dire. J'étais avec Frag Shooter, merci à lui au passage de m'avoir aidé pour ça. Et voilà, ça prend énormément de temps, j'ai pas vraiment envie de vous faire un tournoi organisé à l'arrache pour qu'arriver là il n'y a rien du tout. Voilà, parce que j'ai déjà connu pas mal de fois des gens qui organisaient des trucs et arriver là c'était vraiment pas au top top, hein. Vraiment c'était fait à l'arrache et arriver là c'était annulé. Donc voilà, j'ai pas envie de vous poser un lapin comme on dit. Voilà, donc voilà les amis, oui il y en aura d'autres. Après vraiment laissez-moi quand même assez de temps pour préparer tout ça. Je vous tiendrai au courant par rapport à ça, vous inquiétez pas les potos. Et puis voilà. Ensuite les amis, on enchaîne avec une question qui m'a été posée pas mal de fois en ce qui concerne les let's play et plus précisément sur Dragon Ball Xenoverse 2. Donc oui les amis, ne vous inquiétez pas, normalement il y aura bien le let's play de Dragon Ball Xenoverse 2. Vous pouvez compter sur moi pour qu'il y ait le let's play du début jusqu'à la fin si je le fais, mais normalement il n'y a pas de souci, je vais vous faire ça. En ce qui concerne les autres let's play en dehors de Dragon Ball Xenoverse 2, oui les amis, je pense qu'il y aura d'autres let's play. Par exemple, j'avais déjà fait le let's play sur la campagne de Call of Duty Black Ops 3. Je pourrais bien entendu le refaire sur la campagne de Call of Duty 4 remasterisée, parce que quand même, c'est quand même un jeu assez nostalgique, hein, bien entendu. Et je pense que remasterisé, il va être beaucoup plus beau, et voilà, niveau graphisme, etc. Et vraiment, et je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas pu connaître ce fameux Call of Duty, donc ça serait vraiment quelque chose de bien pour vous de pouvoir découvrir ce fameux Code 4 remasterisé comme on dit. Donc voilà, et aussi d'autres jeux d'aventure, pourquoi pas, j'avais pensé aussi à Horizon. Donc voilà, je vous mettrai une petite image pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble, c'est un petit jeu d'aventure, voilà, donc je me suis dit pourquoi pas proposer d'autres let's play de ce style. Donc voilà, on verra bien les amis. Ensuite les amis, on m'a demandé est-ce que j'allais faire des concours, donc voilà. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant d'y répondre parce qu'on me l'avait déjà demandé auparavant. Donc oui, ça pourrait venir par la suite, des petits concours, voilà. De toute façon, en ce qui concerne tout cela, je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on m'a demandé est-ce que j'allais faire un crew sur GTA. Donc pour répondre à votre question les potos, le crew a déjà été créé, le nom s'affichera à l'écran, ne vous inquiétez pas. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre simplement pour faire des courses casse-cou, what the fuck, etc., s'amuser pendant mes lives sur GTA, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à rejoindre ce crew, on pourra bien s'amuser. On m'a demandé est-ce que je serai présent à la Paris Games Week les potos. Donc pour le moment, comme d'habitude, ça reste peut-être, comme la dernière fois je vous ai dit que peut-être que j'irai, il n'y a pas de changement pour l'instant. Je ne vais pas dire que j'y serai ou que j'y serai pas parce qu'il n'y a rien de sûr pour le moment. De toute façon, je vous tiens au courant comme d'habitude sur YouTube. Je vous ferai peut-être pourquoi pas une petite vidéo annonce. Et je sais bien évidemment qu'il faudra bien un jour que je monte ma tête pour si je vais à la Paris Games Week, si vous voulez me rencontrer, voilà, je sais que je suis pas non plus, c'est pas pour faire le mec famous, mais s'il y en a qui veulent, pourquoi pas venir à ma rencontre, voilà, donc il y aura pas de souci. Mais donc voilà, en parlant de la facecam, voilà, parlons-en. Donc pas mal de monde, ça c'est la question qui m'a été le plus demandée, est-ce que je ferai des facecam? Donc normalement oui, c'est à venir par la suite. Il faut savoir déjà que je n'ai pas encore de caméra au top, hein, bien entendu, c'est vraiment à venir par la suite tout cela. Mais donc voilà,
La facecam, en fait, c'est quand même quelque chose que j'appréhende un petit peu. J'en ai déjà parlé, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Je ne sais pas après si c'est par le manque d'expérience ou si je suis mal à l'aise. Je ne sais pas. Pour le moment, j'appréhende un petit peu la facecam. Je suis pas trop... Voilà, pour le moment, je suis pas trop pour, mais ne vous inquiétez pas, normalement, ça viendra. Donc voilà, la vidéo est terminée, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette petite vidéo spéciale vous aura fait plaisir. En tout cas, vraiment, je vous remercie, les potos. Je sais pas comment ça se fait que je suis déjà 2000 abonnés en un an. Franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel, pardon. C'est vraiment un truc de ouf. Mille merci, c'est même pas assez. Je ne sais pas, un grand merci. Je sais même pas comment vous dire ça. J'espère que vous me comprendrez, les amis. Franchement, merci à vous. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Au passage, les amis, je voulais juste vous dire que si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis sur Twitter. De toute façon, il va s'afficher à l'écran. Donc voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre. Donc voilà, les potos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vraiment, encore mille merci à vous, vraiment, ne changez pas, j'ai de la chance d'avoir une communauté comme ça, j'en suis vraiment heureux, et puis voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait, merci beaucoup, à la fois prochaine les amis, ciao ciao. They said that I should branch out, here I am, breaking through the ceiling. Writing this, I felt uncomfortable, but crazy, here I am. If money talks, I'll let my wallet talk forever. I guess I'm happy now, honestly, I could be better. But I'll talk about it later, I got a picture to paint. I've got my ego raging, but my feelings just deflate. Everything I'm not is everything that I became. They like to talk me down, I just like to put them in their place. It's a race to the finish, haven't stopped once. This feeling of new heights makes me high without blunts. I'm fly, who are they to tell me that I can't stunt? Cause I started in my basement with $100 mic. Now it's like I go out and they think I'm someone famous. And it's crazy when I hear them say that I am going places. DJ play that back, somebody.